Yo baby, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une usine à miel. Du coup, on a deux types d'usines, donc pour les onécombes et pour le miel, les blocs de miel. D'un côté, c'est blocs de décoration et l'autre, décoration et surtout machinerie parce que je pense que vous avez des machines à faire avec des blocs de miel. Avant de commencer cette usine, je vous montre tout de suite les ressources à avoir. Voici la liste. Je vous laisse faire pause pour récupérer tous ces blocs. Et let's go. Et pour ceux qui ont Lightmatica, vous pourrez actuellement venir sur mon Discord, le lien en description. Allez tout en bas et vous aurez la catégorie Minecraft, schématique. Vous avez déjà l'usine à faire disponible sur ma chaîne YouTube, la tour à mob aussi disponible. Et vous avez directement le Lightmatica de l'usine à miel, juste en dessous. Vous avez juste à télécharger et mettre dans votre dossier Lightmatica. Nous pouvons passer au build. Déjà, voici à quoi ressemble le système. J'ai vraiment fait un truc sans décoration, comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà avec la décoration, donc ça fait un gros cube. Hein. Moi j'ai fait la version sans décoration pour le Lightmatica, comme ça vous pourrez décorer autour tranquillement. Du coup, avant de commencer l'usine, ce que je vous conseille, moi, ce serait de faire un genre de bloc, un cube, où vous allez mettre, du coup, une ruche naturelle dedans avec trois abeilles, minimum 2. Vous mettez des fleurs. Ce que vous faites, c'est vous les accouplez. Dès qu'il y en a 3 qui ne peuvent plus rentrer dans une ruche, vous allez faire une ruche normale, du coup une ruche craftable. Vous allez mettre dedans la cage pour que les 3 autres rentrent dedans. Prenez une seal touch, vous cassez la ruche et vous allez les mettre au fur et à mesure dans votre, dans votre usine. Donc comme vous voyez, il faudra trouver une lush cave pour avoir des pousses de lush cave du coup. Des petits arbustes de Lush Cave. Avec fleurs ou sans fleurs, ça change pas grand chose. Je trouve que ça fait joli avec les fleurs, du coup je mets avec les fleurs. Passons au build de cette usine à miel, du coup. Il vous faudra pour le commencement, hop, chest et hopper. On va déjà faire le chest et hopper. Et pourquoi pas prendre la dirt et le bush. Vous allez mettre vos deux coffres. Pour ceux qui ont schématique, vous avez juste à mettre le schématique et suivre le schématique. Du coup, vous avez de la chance. Deux coffres comme ceci. Vous allez mettre deux hoppers en arrière. Faire hop, comme ça. Comme ça. Ben, comme ça. Deux hoppers vers le haut. Et là, vous allez compter 3 de chaque côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça peut s'étendre jusqu'à comme vous voulez. Hein. Y a pas de souci. Là, quand on a fini ça, on va mettre bloc de terre juste au-dessus du premier hopper, même longueur que les hoppers. On va mettre, on va pas encore mettre les bushes parce qu'il faudra mettre les dispensers juste au-dessus et ça va poser problème si on met directement les flowers. Il faudra les casser après pour montrer. Donc là, on va passer par le système redstone. Donc on va prendre des planches, bien évidemment. Hop, comparateur. Redstone et bloc de verre, c'est très important, car comme vous pouvez le voir, là actuellement, le système redstone est tout relié. En fait, si on mettait un bloc là, si on met un bloc ici, on peut voir que ça coupe la redstone juste ici. Et les blocs de verre ne coupent pas la redstone. Du coup, c'est pour ça qu'il faut garder le bloc de verre juste ici pour pas que ça coupe la redstone et que tout peut être relié. Du coup, on va commencer. On va mettre... on peut mettre cette ligne là. Hop. On va mettre, du coup, ça, ces deux blocs là pour faire un mur. Un mur contre les hoppers. Vos ruches vont être juste ici, au-dessus des hoppers, pour que dès que une fiole de miel ou un cisaille coupe pour avoir des onécombes ou des bouteilles, ça va directement rentrer dans le hopper. Là, ce qu'on va faire, c'est que juste derrière, on va poser, hop, comme ceci, en L, des blocs pour mettre les comparateurs, comme ceci, directement contre les blocs de bois. Et là, on va faire une autre ligne, comme ceci, pour mettre la poudre de redstone, voilà. Au-dessus de cette poudre de redstone, ce que je vous conseille, c'est directement mettre le bloc de verre, au moins, ça peut être relié directement, on peut mettre directement sur la redstone. Là, vous allez trouver le petit angle, la petite box pour mettre vos blocs de bois alignés comme ceci, poudre de redstone dessus, poudre de redstone dessus. Voilà. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre deux largeurs pour la redstone. Vous allez mettre aussi la redstone dessus, du coup. Et 5 étapes dans la ruche. Et hop, dès qu'il va arriver ici, ça va activer le dispenser. Et selon vous, à votre guise, si vous mettez des shears ou vous mettez des fioles... Mince, ils ont été tout aspirés. Mais si vous mettez des fioles, bah, du coup, ça va donner un petit coup de dispenser pour... faire du miel. Donc nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va directement prendre les dispensers et on va se mettre, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait pas mettre encore les bushes, parce que pour direction vers le bas, les dispensers, comme ça, ça va directement pointer les ruches.
Après, ce qu'on va faire, c'est faire le système pour, du coup, envoyer directement les cheers. Parce qu'il y a une durabilité sur les cheers, bien évidemment. Et on pourra stocker directement dans un coffre, comme ça. C'est à l'infini, vraiment, le temps que ça dégaspille tout, on est large. Et pour les fioles, la même chose. Mais les fioles, ce qui a l'avantage, c'est qu'en fait, il faudrait peut-être remplir tous les dispensers qui sont ici. Les hoppers aussi. Car le truc, c'est que quand on remplit le coffre, ça va remplir, du coup, les dispensers, les hoppers, et on n'aura plus du tout dans le coffre. Mais, à savoir, un truc, c'est quand on craft les blocs avec les fioles, ils nous rendent directement les fioles vides. Du coup, quand vous allez mettre dans le coffre, le problème, c'est que ça va arriver tout ici, et si vous remplissez à chaque fois, bah, le dernier, il aura plus de fioles. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de remplir tous les hoppers, les deux étages de hoppers, tous les dispensers et le coffre. Au moins, vous êtes sûr que tout est réparti partout égal. Et bon, ça va coûter cher, mais au moins, il n'y aura pas de problème vers la fin. Du coup, on continue. Les ruches, on va les mettre à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les blocs de vide juste en face pour que on puisse pas faire une fuite avec les ruches. Ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va prendre le côté. Bah, hop, comme ceci. Là, là, voilà. Là, c'est où est-ce que les abeilles vont être. Parce qu'on a le bush au-dessus. Mais ce que j'aime bien faire, c'est qu'avoir le visuel sur les bush quand même. Donc on va comme ça. Voilà, 3 de hauteur. Voilà. Hop. On bouche les deux côtés. Ceci. Là, dès qu'on a fini de mettre, du coup, les dispensers, on peut mettre les buisson d'azalée. Et là, ce que vous allez faire, bah déjà d'une, c'est peut-être boucher ici, parce que je pense que vous allez mettre un par un des ruches, à part si vous avez déjà toutes les ruches. Hop, on bouche là au cas où. Et là, on va mettre les hoppers, du coup, direction des dispensers, juste au-dessus, comme ceci. Voilà. Comme ça, ça bouche le dessus des abeilles. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est garder ça, comme ceci. En fait, les bébés abeilles, si vous voulez les accoupler directement ici, c'est possible, hein. C'est possible. Et les bébés abeilles, en fait, ils comprennent pas qu'ils peuvent passer par ces petits blocs-là. Du coup, ils vont pas monter, ils vont rester encore en bas, et ils vont pas se barrer. Mais par contre, si vous les tapez, effectivement, oui, ils vont monter directement là et pouvoir sortir. Mais vous avez pas de soucis, si vous voulez les reproduire ici, vous pourrez directement les reproduire ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Mince, j'ai jeté le hopper. On va directement, hop, poser un bloc au-dessus, mettre des hoppers en ligne droite comme ceci. Voilà, on les aligne au-dessus des autres hoppers. Et là, on va mettre, du coup, hop, un coffre à la fin, comme ceci. Voilà, pour mettre nos bouteilles ou nos cheers. Et on va récupérer une ruche. Je sais pas, par exemple, s'il y a des abeilles dedans. Je pense pas que c'est compté comme des abeilles. Là, on va mettre les trois. Bon, il y a, voilà, exemple typique pour les bébés abeilles qui vont pas monter, au final qui s'en fichent, ils vont rester en bas. Là, quand vous avez déjà vos ruches remplies, vous posez les ruches comme ceci, au moins s'il fait jour, ils vont pas se barrer. Vous mettez vos blocs là, voilà. Et là, il reste plus qu'à faire la déco autour. Ça, c'est à vous de voir, réellement, c'est à vous de voir si vous voulez faire des, du coup, une décoration autour. Mais le système est terminé, vous avez juste à remplir, du coup, votre coffre ou vos dispensers directement, car pour les bottles, ça va prendre du temps si vous mettez pas directement les dispensers. Ce que je vous conseille, c'est de remplir avant, car le problème est que s'ils produisent du miel et vous avez pas le temps de remplir, bah, à la fin, ils vont être à fond, il faudra juste, c'est pas problématique, mais juste si, exemple, cette ruche-là est à fond, et elle n'a pas déclenché, vous avez juste à casser cette poudre de redstone, remettre, et ça va le déclencher, et il y aura pas de problème. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le coffre. Vu que c'est des cheers, ils vont prendre une place, c'est pas stackable, et c'est tranquille. Du coup, là, ils vont rentrer, ils vont remplir ce dispenser-là, puis remplir ce hopper-là, et après remplir ce hopper-là, et après remplir ce hopper-là pour dispenser. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez votre usine à miel pour le miel et pour aussi les honey blocks, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour d'autres tutos et pour ne pas manquer mes streams qui se passent tous les jours, à part le samedi, à partir de 16h en France. Maintenant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important, et à la prochaine. Hello.